Dans ce troisième tuto tricot, je vous propose de réaliser ce pull à manches courtes bicolore et ajouré. Alors bicolore, c'est si vous le souhaitez, moi je l'ai fait 2 fois bicolore et 1 fois de la même couleur. De toute façon, comme je vous montre comment calculer et comment faire, vous pouvez utiliser le même fil pour le haut et pour le bas, ou des fils différents, la même couleur ou pas la même couleur. On va rendre à César ce qui appartient à Jules, donc c'est un patron qui vient de chez Phildar et qu'on trouve sur le site de Prima. Il s'appelle le pull bicolore ajouré. Alors le voilà un petit peu plus en détail. C'est un pull qui est tricoté initialement avec un fil de chez Phildar qui s'appelle fil coton 4 et il est décliné de la taille 34-36 à la taille 50-52. On voit que le haut est fait avec un motif, un point fantaisie qui s'appelle un point ajouré résille, si je me souviens bien. Quant au bas, il est tricoté en jersey avec une petite bande de côtes. Moi, en l'occurrence, j'ai fait comme d'habitude des côtes 3-2. Voici le patron original. Alors, il est super ce patron parce qu'en fait, c'est 2 parties qui sont toutes droites. Le bas, c'est quasiment un carré et le haut, c'est quasiment un rectangle. Il n'y aura plus qu'une couture à faire. J'ai modifié très peu de dimensions, juste l'encolure. Je vous propose de faire une encolure de minimum 26 cm pour les 3 premières tailles et peut-être même d'aller jusqu'à 28 cm pour les 2 dernières tailles. Je vous disais que j'avais fait 3 exemplaires et j'ai bien fait parce que en fait je me suis un petit peu précipitée sur ce modèle-là. J'ai juste regardé le patron et plus ou moins comment on faisait le point fantaisie et puis j'ai attaqué directement avec le pull bicolore noir et crème qu'on voit au milieu, sans me soucier des explications qui étaient données. Et ça m'a posé de réels problèmes, puisque je ne peux absolument pas le mettre, notamment parce que je n'ai pas tenu compte de la différence de densité qu'il peut y avoir entre le haut et le bas. Pour le deuxième, j'ai à peine regardé les explications cette fois-ci, donc je me suis plantée aussi, et puis en plus les couleurs honnêtement ne me conviennent pas du tout. Donc j'en ai fait un troisième et je l'ai réalisé dans le même fil en haut et en bas, et même couleur en haut et en bas. C'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait avoir un fil différent en haut et en bas, il faut simplement bien faire les échantillons, et puis vous verrez que tout au long de la vidéo, je vous mets des petits avertissements quand je veux attirer votre attention sur certains problèmes et certaines erreurs à ne pas faire. Je vous conseille donc de regarder les séquences à chaque fois jusqu'au bout, avant de réaliser l'ouvrage. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors vous l'avez vu sur les photos, j'ai fait 3 ouvrages. Donc c'est ce que je fais habituellement, ne serait-ce que pour faire des essais. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des 2 premiers pour vous expliquer ce qui n'a pas fonctionné pour que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Donc le premier, c'est un pull que j'ai tricoté en taille 34-36 parce que je n'avais pas assez de pelote. Et j'ai utilisé un fil capture de chez Phildar. Ce sont des pelotes qui font 75 mètres et qui se tricotent initialement avec des aiguilles 4,5 pour la partie jersey. Alors le jersey, je l'ai bien tricoté avec des aiguilles 4,5. Mais le haut, je voulais essayer d'obtenir un point serré qui ait beaucoup de tenue, un petit peu comme sur la photo. J'ai pas lu, donc j'ai pas du tout lu en fait... Le tuto qu'on trouve sur le site de Prima, j'ai juste regardé le patron et puis je me suis lancée bille en tête et j'ai tricoté le haut avec des aiguilles plus petites encore que celles qui sont préconisées, donc des aiguilles numéro 4. J'ai monté et j'ai rabattu aussi avec ces aiguilles numéro 4. Donc effectivement j'ai un point qui a une certaine tenue mais qui est raide comme la justice. En plus j'ai pas pu faire un échantillon correct, donc je me suis retrouvée avec une dimension, enfin je me suis plantée clairement. Et surtout, il y a une telle différence de texture entre le haut et le bas. Le haut est tellement plus raide que le bas. La couture est aussi tellement plus raide que finalement, quand je le porte, ça me serre au niveau de la poitrine. Et c'est pas seulement dû au fait que ce soit une taille plus petite, c'est surtout dû au fait que j'ai utilisé des aiguilles plus petites pour tricoter le haut que celles que j'ai utilisées pour tricoter le bas. Et très honnêtement, ça ne va pas du tout. Du coup, pour le deuxième ouvrage, j'ai décidé de faire un petit peu autrement. Donc j'ai changé de fil et le bas, je l'ai fait avec un fil granité de chez Phildar. Ce sont des pelotes qui font 123 mètres, je crois que j'en ai utilisé 4, là je l'ai tricoté dans ma taille, et c'est un fil qui se tricote avec des aiguilles numéro 5. Alors ce fil là il est plutôt très sympa, c'est surtout la couleur qui m'a beaucoup plu, par contre je le déconseillerais aux débutants parce qu'il a un aspect très particulier qui fait qu'on a du mal à voir les mailles, à les reconnaître. Pour le haut, j'ai utilisé un fil toujours de chez Phildar qui s'appelle Fil Écolo. Donc c'est un fil 100% polyester, les pelotes font 96 mètres et elles se tricotent normalement avec des aiguilles 4. Donc pour ce deuxième ouvrage, j'ai décidé de faire le haut avec les aiguilles qui sont préconisées pour ce fil, donc numéro 4. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas réellement augmenté la taille de mes aiguilles. Je me retrouve avec un point qui a énormément de tenue aussi, qui est serré, qui est joli. Par contre, c'est vrai que l'aspect est vachement sympa, mais j'ai encore quelque chose de toujours trop serré. Donc, tricoter le haut avec des aiguilles plus petites, ça ne fonctionne pas. Tricoter le haut avec des aiguilles de la taille indiquée, ça ne fonctionne pas non plus. Du coup, pour le troisième, je me suis un petit peu ravisée. Alors, j'ai une copine qui m'a donné plein de pelotes de laine, de cette laine donc, qui s'appelle Austral de chez Katia. Donc, Myriam, si tu m'écoutes, je te remercie. Alors, je me suis ravisée sur deux choses. La première, c'est les couleurs. Je n'ai pas fait cette fois-ci de couleurs différentes du haut et du bas. Tout simplement parce que le précédent avec le bleu et le beige, honnêtement, enfin, franchement, moi, le mélange des couleurs ne me plaisait pas vraiment. Ça fonctionne très bien avec du noir et du crème. Ça fonctionne beaucoup plus difficilement avec deux autres couleurs, en fait. Donc, j'ai gardé la même couleur pour le haut et pour le bas. La deuxième chose, c'est que je me suis enfin décidée à utiliser des aiguilles beaucoup plus grosses pour le haut que pour le bas et à monter et à rabattre les mailles là aussi avec des aiguilles encore plus grosses, de sorte à garder toute la souplesse de la couture et d'avoir enfin un ouvrage que je puisse mettre. Alors le pull se tricote en deux parties. La partie haute qui forme un rectangle, plutôt long, et puis la partie basse. Donc on fera deux fois la partie haute et deux fois la partie basse. Pour ce qui est du matériel, alors là aussi je me suis fiée aux indications du fabricant, mais aussi bien sûr finalement aux explications du tuto. Donc j'ai utilisé comme préconisé des aiguilles 4 pour faire la partie jersey, une demi-taille en dessous pour faire les côtes, c'est toujours comme ça qu'on procède. Pour ce qui est du haut, pour faire le point fantaisie, j'ai utilisé des aiguilles une taille et demie au-dessus de celle du bas, donc 4 en bas, 5 et demi en haut. Et j'ai pris des aiguilles encore plus grosses, taille 6, mais ça aurait pu être des tailles 6 et demi, pour monter les mailles et pour les rabattre. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir s'il faut faire un échantillon. Donc, je parle du bas de l'ouvrage. Pour ce qui est du haut, c'est impossible de faire le haut du pull sans échantillon. Mais pour le bas, vous pourriez vous poser la question. Ben voilà un exemple. Ce carré et ce carré ont été tricotés avec exactement le même nombre de mailles. Sauf que celui-ci, c'est un fil épais qui a été tricoté avec des aiguilles un peu grosses. Et celui-ci, c'est un fil fin qui a été tricoté avec des aiguilles plus petites. Ça signifie que si vous suivez des instructions qui sont faites pour un pull tricoté avec ce type de laine et que vous le tricotez avec ce type de laine, vous allez vous retrouver avec un ouvrage 10 fois plus petit que prévu initialement. Donc ça, c'est la raison d'être de l'échantillon. Après, vous pourriez vous demander, mais à la limite, je peux me servir des indications qu'il y a sur l'étiquette, les indications du fabricant, et faire tous mes calculs à partir de ce qui est noté. Ici, avec des aiguilles 4, l'échantillon en jersey, il faudrait monter 24 mailles et les tricoter pendant 28 rangs pour obtenir 10 cm. Je ne me souviens pas de tous les échantillons que j'ai faits, de toutes les pelotes que j'ai utilisées, je ne me souviens pas être tombée exactement sur les mêmes chiffres que le fabricant. Donc vous pourriez ne pas faire d'échantillon et vous fier aux chiffres de l'étiquette, mais vous prenez tout simplement un risque. Maintenant que vous êtes convaincu qu'il faut effectivement faire un échantillon, vous pourriez vous demander de quelle taille doit être cet échantillon, combien de mailles montées et combien de rangs tricotés. Alors moi, je prends les indications du fabricant et je rajoute 10 mailles. Par exemple, là, c'est 24 mailles, j'en monterai 34. Pour ce qui est du nombre de rangs, eh bien, simplement, vous allez venir mesurer et essayer de tricoter à peu près 12 cm. L'objectif à la fin, c'est d'avoir au moins 10 cm² pour venir compter. Donc prévoyez un échantillon qui fasse peut-être 12 sur 12. Donc je monterai 34 mailles au lieu des 24 indiquées et je tricoterai, je pense, 30-35 rangs pour arriver à avoir mes 10 cm minimum de hauteur. Donc je me suis placée au début d'un V, j'ai mis mon réglé juste en dessous et je vais compter les V. 1, 2, ah oui, ce que je voulais vous dire, essayez de ne pas lever votre stylet quand vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Enfin, le 21e, il est à moitié, mais je l'ai compté 21. Donc, j'ai 21 mailles pour 10 cm. Pour compter le nombre de rangs, je me mets dans l'alignement du V. Donc voici mon V, voici la pointe et je mets mon réglé juste à côté. J'ai deux solutions, soit je compte les petits trous, soit je compte les V. Donc là je vais compter les V, je vais le faire sur 5 cm et je multiplierai par 2, mais normalement évidemment ça se fait sur 10. Donc 1, attendez, je vais recommencer d'être bien positionné parce que c'est pas évident, au bout d'un moment on n'y voit plus rien. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 petits V, donc 14 rangs pour 5 cm, ça me fait un échantillon donc de 28 rangs pour 10 cm. Je pourrais compter les petits trous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'arrive aussi à 14 petits trous, c'est logique, pour 5 cm, donc 28 rangs pour 10 cm. Je commence d'abord par relever les mensurations qui m'intéressent. Donc moi c'est la taille 38-40. Donc ici 19, 42, 2 cm, là c'est 47 en largeur, 78 ici en largeur. La hauteur totale, on n'en a pas spécialement besoin. Et pour ici, pour le col, je l'entoure parce que vous allez voir qu'en fait on ne va pas garder ce 24 ou 25 cm, ça fait un col qui est à mon avis pas assez large. Je porte les dimensions que j'ai mis en évidence ici sur mon schéma. Donc ici 19 cm. Là, 42, 2 cm de côte, 47 cm de large ici. Et pour le col, donc moi je vais mettre, c'est 24, normalement je vais mettre 26 cm. Parce que 24, ça me semble vraiment pas assez. Maintenant, je divise toutes les dimensions que j'ai en cm par 10. 2,6, 1,9, 4,2. 0,2 et 4,7. Le bas tricoté en jersey pour la plus grande partie et quelques côtes ici avec des aiguilles numéro 4. L'échantillon que j'ai trouvé c'est 21 par 28. Donc pour 10 cm il me faut 21 mailles, il me faut tricoter 21 mailles et pour 10 cm donc en hauteur il me faut tricoter 28 rangs. Alors pour savoir combien de mailles je dois monter, je vais multiplier ce 4,7 par le nombre de mailles de mon échantillon. Donc 4,7 x 21, ça me donne 98 mailles. Alors pour le tuto et pour le tuto seulement, je ne vais pas mettre 98 mailles parce que comme je le tricote en code 3-2, je voudrais vous montrer que quel que soit le nombre de mailles, on peut toujours réussir à se débrouiller. Et il se trouve que les codes 3-2, il faut les tricoter par un multiple de 5, ou bien que le chiffre se termine par un 8 ou un 3. Et là, en l'occurrence, c'est un 8 puisque 98. Donc je vais faire 96. Et ce que je vous propose, c'est de mettre un nombre de mailles paires, tout simplement parce qu'on va venir centrer le bas du pull par rapport au haut, et ça sera plus facile si on a un nombre de mailles paires au départ. Donc là, bien que ce ne soit pas ce que j'ai calculé, je vais monter 96 mailles. Pour ce qui est de la hauteur, donc je prends cette fois-ci le chiffre 28, donc 0,2 x 28, 5,6. Alors quand on a en hauteur, c'est toujours un nombre de rangs pairs, c'est toujours comme ça. Donc pour mes côtes, je vais monter 5,6, je l'arrondis à 6, je vais monter 6 rangs de côtes. Pour ce qui est du jersey, de la partie jersey, 4,2 x 28. Ça me donne 117 rangs,6, donc je vais arrondir à 118. Alors la partie côte, elle sera tricotée en aiguille 3,5 et ce sont des côtes 3,2. La partie jersey sera tricotée avec des aiguilles 4, hein, c'est-à-dire les aiguilles que j'ai utilisées pour faire mon échantillon. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Pour monter mes mailles, je vais garder du fil perdu. Donc j'ai l'habitude de garder 3 fois la largeur, ce qui m'est nécessaire pour monter les mailles, plus 2 fois la hauteur de la couture. Comme ça, je me servirai du fil perdu pour faire la couture. Donc moi, je le fais un petit peu à vue de nez. Et donc ça fait à peu près, bah, c'est presque pareil, hein, 42 et 47. Allez hop, ça va faire 5 fois à peu près cette largeur-là. 1, 2, 3, 4. Et je fais un nœud coulant, c'est-à-dire un nœud qui se défait. Je glisse mon aiguille 3,5 dans le nœud coulé. Coulé ou coulant, je sais plus. Alors mon fil est un petit peu frisé parce qu'en fait c'est un ouvrage que j'ai détricoté. Je vais monter mes 96 mailles et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit repère toutes les 10 mailles. Alors c'est soit un petit bidouillou que j'ai fait moi-même, soit vous en trouvez dans le commerce, sous cette forme-là, ou c'est des petits ronds. Donc je vais mettre un marqueur toutes les 10 mailles, comme ça, ça m'évite d'avoir à tout recompter si jamais j'étais interrompue. Donc le fil qui mène à la pelote d'un côté, et le fil perdu de l'autre. Donc là, j'ai déjà une maille, j'oublie pas de la compter. 2, et je serre pas trop. 3, 4, 5... 7, 8, 9, 10. Je glisse un petit marqueur et ce petit marqueur, je l'enlèverai dès que je tricoterai mon premier rang. Voilà, je continue jusqu'à arriver à 96 mailles. Voilà, je contrôle 2, 4, 6 et un 7. Ah ben j'ai monté une maille de trop. D'où l'intérêt, chaque fois que vous mettez un repère, de bien compter qu'il y en ait 10. Donc j'ai bien 9 x 10 et là j'ai 6 mailles. Le fil perdu, pour éviter de le confondre avec le fil avec lequel je vais tricoter, je l'enroule sur lui-même et je lui fais une petite attache. Ça m'évitera de tricoter avec cette partie du fil et de devoir recommencer. Donc voilà, j'ai mes 96 mailles. Alors je vais vous parler un petit peu des côtes avant de commencer pour qu'on voit un petit peu le principal. Moi j'ai choisi des côtes 3-2 parce que c'est beaucoup plus facile à réaliser que des côtes 1-1 ou des côtes 2-2. Vous verrez, il y a une partie où vous devez reconnaître la façon dont se présentent les mailles pour les tricoter correctement. Si vous êtes débutant et que si vous faites des côtes 1, à mon avis, ça va être plus compliqué. Alors 3, 2, ben, 3, ça donne le nombre de mailles qu'on va tricoter à l'endroit. Et 2, ça donne le nombre de mailles qu'on va tricoter à l'envers. Autrement dit, si vous faisiez des côtes 7, 5, ça serait 7 mailles endroit, 5 mailles envers. Donc on commence toujours par les mailles endroit. 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 endroits, etc. jusqu'à la fin du rang. Sur le rang suivant, on va inverser. Ce qui a été tricoté à l'endroit sera tricoté à l'envers. Autrement dit, on va passer à une alternance de 2, 3. 2 mailles endroit, 3 mailles envers. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière à ça. Les seules choses qui vont être un petit peu complexes, c'est sur le premier rang de ne pas se tromper, parce que tous les rangs suivants dépendent du premier. Donc, bien faire attention à notre alternance. Et aussi à la façon dont on termine le rang. Je m'explique. Normalement, en 3-2, il faut avoir un nombre de mailles multiples de 5. Et de cette façon, vous terminez par des mailles, bah, du coup, je ne sais plus. Donc, multiples de 5, ou bien qui se terminent par le chiffre 3 ou le chiffre 8. Si vous terminez par le chiffre 3 ou le chiffre 8, comme 78 ou 73, vous terminerez par 3 mailles endroit. Et si c'est un multiple de 5, voilà, je m'y retrouve, vous terminerez par 2 mailles envers. Ce qui fait que du coup, vous n'avez pas de mal à faire l'inverse sur le rang suivant. Moi, j'ai monté 96 mailles, donc je rentre dans aucun des cas prévus parce que j'aimerais bien que vous appreniez à vous débrouiller avec le nombre de mailles que vous avez. Voilà. Donc la seule difficulté qu'on va avoir, c'est à la fin des rangs impairs, c'est-à-dire des allées, ce qu'on appelle aussi l'endroit du travail. On va vérifier comment on va terminer le rang pour être sûr de le démarrer correctement sur le rang suivant, sur les rangs pairs. Après, on va simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Et sur tous les rangs, le rang 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 rangs à faire, il s'agira simplement de tricoter les mailles comme elles se présentent. Et en adoptant cette technique, vous les tricoterez à l'inverse du rang précédent, ça ira tout seul. Donc je commence mon alternance par 3 mailles en droit. 3. Donc 2 mailles envers, c'est-à-dire que je passe le fil devant. Une. Peut-être. Voilà, une. Et deux. Et ensuite, je recommence 3 mailles en droit. Donc là, je vais faire tomber mon petit marqueur. Et 2 mailles envers. Et je vais continuer comme ça, et puis je vais m'arrêter à quelques mailles de la fin du rang. J'arrive vers la fin de mon rang numéro 1, 3 mailles en droit. Et là, je suis supposée faire 2 mailles envers et de nouveau 3 mailles en droit. Sauf qu'il me reste 3 mailles. Donc je vais faire mes 2 mailles envers. 1, 2. Et la dernière, je vais simplement décider de ce que j'en fais. Soit je la tricote aussi à l'envers, soit je la tricote à l'endroit. J'ai décidé de la tricoter à l'endroit, c'est-à-dire de faire semblant de reprendre mon alternance normale. Puisque je l'ai tricotée à l'endroit, sur le rang suivant, je vais donc la tricoter à l'envers, puisqu'on fait l'inverse. Voilà. Donc maintenant que j'ai enlevé ce petit problème de fin de rang, il faudra que j'y pense à la fin de tous mes rangs pairs. Je vais reprendre mon alternance. Souvenez-vous, en inverse, donc ça fait 2 mailles en droit, 3 mailles envers. 2 mailles en droit, 3 mailles envers, puisqu'on inverse par rapport au rang précédent. Alors, ça m'oblige à compter ça. Et il y a une autre méthode qui revient exactement au même, c'est de tricoter les mailles comme elles se présentent. Lorsqu'elles ont une petite boucle, comme ici, je vais les tricoter à l'envers. Lorsqu'elles n'ont pas de petite boucle, mais presque un petit V, je vais les tricoter à l'endroit. Donc là, j'ai 2 mailles qui ont chacune un petit V. Je les tricote donc à l'endroit. Je regarde, j'ai 3 mailles qui ont une boucle, je les tricote à l'envers, ce qui est tout à fait normal. 3 envers. Et donc si je regarde, j'ai forcément 2 endroits, puisque je suis dans une alternance, 2 endroits, 3 envers pour ce rang-là. Et je continue comme ça à tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors si vous n'arrivez pas à les reconnaître, notamment parce que votre fil est un fil fantaisie, eh bien il vous suffit de compter. 2 endroits, 3 envers. La seule chose importante, c'est de bien se souvenir comment vous avez terminé la fin donc de votre rang impair pour bien démarrer le début de votre rang pair. Hein, de ne pas faire de décalage. Puisqu'il faut inverser, eh bien, il vaut mieux regarder la fin des rangs impairs. Pour ce qui est la fin des rangs pairs, je ne vais pas avoir de difficulté en réalité. Comme tous mes rangs impairs, c'est-à-dire les allées, autrement dit l'endroit du travail, comme je les commence tous par 3 mailles en droit, je vais terminer tous mes rangs pairs par 3 mailles envers, c'est évident. Là, j'ai pas besoin de vérifier comment je le termine, c'est automatique. Pour l'autre, dans la mesure où je bidouille un petit peu avec la réalité, puisque j'ai un nombre de mailles qui n'est pas multiple de 5, eh bien je suis obligée de me souvenir que j'ai une maille toute seule, qu'il faut que je tricote à l'inverse du rang précédent. Donc là, je ne sais plus où j'en suis, donc là, j'ai pas de petite boucle, donc c'est 2 mailles en droit. Voilà, et on fait comme ça sur les 6 rangs. C'est-à-dire qu'à partir du rang numéro 2, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Et ça revient exactement à la même chose que de dire « je tricote les mailles » à l'inverse du rang précédent. Donc vous voyez, pas de difficulté particulière. Donc je finis mes 6 rangs de côte 3-2. Et puis on se retrouve après pour passer à la partie jersey. Si j'avais quand même une petite bricole à vous rappeler, donc là je termine mon rang numéro 2, logiquement par 3 mailles envers. Alors je voulais vous montrer encore 2 petites choses. La première, c'est que les côtes, l'endroit ressemble étrangement à l'envers du travail, c'est-à-dire que les rangs impairs ressemblent étrangement aux rangs pairs. Lorsque vous avez le fil perdu, qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote, c'est que vous allez attaquer un rang impair, c'est-à-dire un aller ou l'endroit du travail. Voilà, j'ai terminé mes 6 rangs de côte 3-2. Donc maintenant, je vais passer, je dois faire, en ce qui me concerne, 118 rangs de jersey. Alors quand je dis jersey tout court, ça signifie jersey endroit. C'est-à-dire que tous les allées seront faits, toutes les mailles seront tricotées à l'endroit, et sur le retour, toutes les mailles seront tricotées à l'envers. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait tricoté 118 rangs en ce qui me concerne. La seule difficulté, c'est de ne pas oublier de passer l'aiguille 3,5 à la taille au-dessus. Donc en ce qui me concerne, 4. Donc la première aiguille, généralement, on y pense. Et donc, tiens, j'attaque bien un rang impair, puisque mon fil perdu est du même côté que mon fil qui mène à la pelote. C'est bien mon rang numéro 1. Donc toutes les mailles à l'endroit, avec l'aiguille de la taille au-dessus, en ce qui me concerne aiguille numéro 4. Donc là, je termine le rang numéro 1. Tout à l'endroit. Et je n'oublie pas de changer ma deuxième aiguille pour tricoter le rang numéro 2, qui sera donc tricoté tout à l'envers. Alors si vous oubliez de changer votre deuxième aiguille sur quelques rangs, c'est pas trop grave. Mais peut-être qu'il vaut mieux défaire si vous faites ça trop longtemps, parce que ça va modifier votre échantillon. Et donc, par exemple, pour moi, les 118 rangs ne feraient plus les 42 cm prévus au départ, mais sans doute un petit peu moins. Cela étant, quand je dis que je vais tricoter 118 rangs, rien ne m'empêche. Donc je le note déjà, parce que j'aimerais bien faire le deuxième côté exactement le même que le premier. Mais rien ne m'empêche de mesurer. 118 rangs, je peux me dire, c'est une approximation. Et je mesure ce que je tricote en jersey et je m'arrête quand j'ai tricoté 42 cm. Personnellement, je me fie au nombre de rangs qu'il y a à tricoter. Et je confirme en mesurant, mais enfin en général, ça tombe bien à peu près. En tout cas, je le note pour être sûr de faire la deuxième partie avec le même nombre de rangs. Si un petit décalage d'un demi-centimètre, ça ne va pas trop se voir, mais si un décalage d'un centimètre, pour la couture, ça va être un peu plus compliqué de faire la couture correctement. Alors si, tiens, ben, tant que je suis là, je voulais vous montrer comment on défait une aiguille, une maille. Donc imaginons que je me sois trompée là. Je viens saisir la maille qui est juste en dessous. Et hop, je la tricote. Voilà, c'est tout bête. J'essaierai de mettre des tutos un petit peu sur tout ça, là, toutes les petites bricoles qui pourraient vous être utiles. Je termine mon 118e rang. Et bien, voilà. Bon, donc maintenant, je vais rabattre toutes mes mailles. Alors, pour rabattre, donc je tricote tout à l'endroit, 2 mailles. Je tire pas trop sur le fil, là. Sinon ça va faire, je vais rabattre de façon trop serrée. Et je prends la première que j'ai tricotée et je la passe par-dessus la dernière tricotée. Et je continue. Comme ça. Et je vais jusqu'au bout, sans trop tirer. Je termine de rabattre. Voilà, donc la dernière maille, je la fais toujours très grande. Je passe mon poignet devant pour pas la perdre. Alors je ne vais pas laisser énormément de fil perdu puisque j'en ai déjà laissé en bas pour la couture sur le côté. Donc voilà, 15, 20, 30 cm. En fait, je laisse juste assez de fil ou suffisamment de fil pour pouvoir le camoufler correctement. Ça, ça me pose problème. Il y a un petit truc que je voudrais vous montrer là. J'aimerais bien que vous preniez le temps d'observer la bordure, là où vous venez de rabattre, donc la tranche en fait. Si vous regardez la tranche, vous allez constater qu'il y a des petits V, encore des petits V. Décidément, le tricotage, c'est qu'une histoire de petits V. Ça, c'est important que vous puissiez le voir, parce que ça va nous servir pour la couture en point arrière. Voilà, donc je peux passer une aiguille à coudre sous les deux brins du petit V, ou alors un seul. Celui qui est à l'extérieur du petit V, celui qui est à l'intérieur. Et si on regarde au niveau du montage, on a presque ce petit V, mais pas aussi prononcé, j'allais dire. Il y a un brin qui se voit très bien. Le deuxième est un petit peu plus camouflé. Si on regarde sur le côté, et ça, ça pourra vous servir le jour où vous voudrez relever les mailles, sur un bord, par exemple. On a notre ma lisière qui n'est pas très jolie, mais ça fait toujours un petit V. et on pourrait passer éventuellement l'aiguille ici pour venir relever des mailles sur un bord. Quand on tricote, je pense qu'il faut prendre le temps d'observer un petit peu les choses, d'écarter, de regarder à l'intérieur d'un petit V, de regarder entre deux petits V, de regarder une maille en droit, ce que ça donne sur l'arrière, une petite vaguelette, des petits ponts. Voilà, ça c'est des choses qui sont intéressantes à faire dès maintenant, parce que finalement c'est comme ça que vous allez devenir autonome en fait, simplement en observant. Voilà, après cette petite minute hautement pédagogique, ce que je vous propose maintenant, c'est quand même un petit peu moins drôle, c'est de tricoter une deuxième partie exactement la même. Et ainsi vous aurez fini le dos et le devant de votre pull. On va apprendre à tricoter et on va faire l'échantillon de ce fameux point qu'on utilise donc pour le haut de l'ouvrage. Alors sur le site, là, ils appellent ça un point ajouré résille ou résille ajouré, je ne sais plus très bien. Il se tricote sur 6 rangs et tout en jersey. Ça signifie que tous les rangs endroits, c'est-à-dire l'allée, ou on appelle ça aussi des rangs impairs, auront toutes les mailles tricotées à l'endroit. Même si on est en train de faire des surjets et des jetés, ça sera toutes les mailles à l'endroit. Et tous les retours, tous les rangs pairs, donc l'envers du travail, seront quant à eux tous tricotés à l'envers. Donc je vous disais 6 rangs, en réalité on va faire plusieurs séries de 6 rangs, au moins 2. Une première série, comme ceci, et puis une deuxième, où on va venir décaler très légèrement nos jetés et nos surjets, de sorte à ce que les points soient en quinconce. Donc c'est forcément au minimum 2 séries de 6 rangs. Pour obtenir ce motif, on va alterner des moments où on viendra supprimer une maille grâce à un surjet, et pour compenser évidemment et ne pas avoir moins de mailles à la fin qu'au départ, on fera un jeté, donc on rajoutera une maille. Et grâce à cette alternance, on va se retrouver avec des petits jours comme ceci. Donc contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est pas lorsqu'on vient supprimer une maille qu'on fait un petit trou, mais c'est au contraire le moment où on vient compenser et rajouter une maille grâce au jeté qu'on fait un petit trou. Les petits trous, c'est les jetés. Sur le nombre de mailles à monter, ce point fantaisie, on nous dit nombre de mailles multiple de 2 plus 1, plus une maille lisière à chaque extrémité. Donc là, je crois qu'il faut que je vous en parle un petit peu et qu'on élimine d'entrée de jeu certains petits problèmes. Parlons un petit peu de cette fameuse maille lisière. Alors la définition toute bête de la maille lisière, c'est que c'est la première et la dernière maille, ou plutôt la première et la dernière maille d'un ouvrage. Donc c'est une maille qui est sur le côté, qui borde l'ouvrage et qui est généralement assez moche et toute retournée. Donc là on ne parle pas encore d'ajouter 2 mailles de plus dans les calculs, c'est juste la définition brute. Cela étant, cette maille lisière, elle peut avoir une utilité, c'est celle de préserver les dimensions d'un ouvrage. Effectivement, elle va être rentrée à l'intérieur de l'ouvrage au moment de la couture. Donc vous voyez, cette maille et cette maille-là ne feront pas partie de la dimension définitive de l'ouvrage. Donc imaginons que j'ai fait mon échantillon et que mes calculs m'amènent à penser que pour avoir 47 cm de large, il faille que je monte 98 mailles. Eh bien je rajouterai 2 mailles de plus à mes calculs pour préserver ma dimension, parce que ces 2 mailles-là seront à l'intérieur de la couture et donc j'aurai toujours mes 47 cm entre les 2 mailles lisières une fois que la couture est faite. Alors dans ce cadre-là, moi je ne rajoute de maille lisière dans mon calcul pour préserver la dimension que lorsque le fil est très épais. Vous voyez qu'ici, une maille fait un peu plus d'1 cm, pareil de l'autre côté, vous faites la même chose sur le dos, et si vous ne rajoutez pas 2 mailles dans vos calculs, votre ouvrage fera quasiment 4 cm de large de moins une fois qu'il sera cousu. Par contre, quand j'utilise une laine aussi fine que celle-ci, dans mes calculs, je ne rajoute pas, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, je ne rajoute pas de maille lisière. Maintenant, cette maille lisière, elle est aussi utilisée et rajoutée dans d'autres cas, notamment celui du point fantaisie. Alors un point fantaisie, c'est un point qu'on va travailler d'une certaine façon et qui, normalement, doit avoir un certain nombre de mailles. Alors des fois, c'est multiple de 16 plus 2, par exemple. Donc multiple de 16, on va faire 32 mailles, plus 2, ça fait 34, et je vais rajouter encore 2 mailles lisières, une en début, une en fin de rang. L'objectif principal, ça sera de préserver le motif, donc de ne commencer le motif qu'après avoir tricoté une maille en début, et le finir avant la dernière maille. De cette façon, mon motif n'est pas dérangé, j'allais dire, par ces mailles supplémentaires. Et dans ce cadre-là aussi, quand on fait un point fantaisie ou pas du reste, mais que on veut que le bord soit assez joli, on va, en plus de les avoir rajoutés, les tricoter d'une certaine manière. En l'occurrence, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que cette première maille, on la glisse sans la tricoter à l'endroit. Et on fait ça sur tous les rangs, que ce soit à l'aller comme au retour. La première maille lisière qu'on a rajoutée dans nos calculs sera glissée à l'endroit sans être tricotée. Ensuite, à la fin de chaque rang, la dernière maille lisière qu'on a rajoutée dans nos calculs, elle sera tricotée soit comme du jersey, c'est-à-dire à l'endroit sur les allées et à l'envers sur le retour, soit tout le temps à l'envers, c'est ce que préconise par exemple le site Drop Design. Moi, dans le point fantaisie qui va suivre, je n'ai pas mis de maille lisière du tout. D'ailleurs, donc j'ai quand même réussi à préserver mon motif parce que comme je comprends comment il fonctionne, j'arrive à faire sans. Mais par contre, vous voyez, ma première maille n'est pas très jolie, elle est retournée. Alors voilà ce qui va se passer. J'ai monté, pour faire mon échantillon, 24 mailles. Si vous souhaitez rajouter des mailles lisières, vous allez en monter 2 de plus, c'est-à-dire 26. Et la première maille de tous les rangs, vous la glisserez sans la tricoter. Et la dernière maille de tous les rangs, vous verrez si vous souhaitez la tricoter à chaque fois à l'envers ou à l'endroit sur l'aller et à l'envers sur le retour. C'est vous qui décidez. Vous la tricotez le plus simplement du monde, à mon avis, c'est suffisant. Alors, pour ce qui est du nombre de mailles, 2 plus 1, multiple de 2 plus 1. Et moi, je vous déconseille, enfin d'une manière générale, quand j'apprends un point fantaisie, j'essaye de le comprendre, ce qui me permet de monter le nombre de mailles que je veux, plutôt que de respecter la consigne qui est en l'occurrence multiple de 2 plus 1. Et je pense que c'est beaucoup mieux, parce que quand le point fantaisie, quel qu'il soit, vous aurez besoin de le façonner, c'est-à-dire de l'augmenter ou de le rétrécir en fonction du dessin de votre ouvrage. Par exemple, pour des manches, il faut certainement agrandir. Pour un col V, il va falloir diminuer. Si vous vous contraignez dès le départ à suivre scrupuleusement le nombre de mailles à monter, sans comprendre le point, vous n'y arriverez pas et vous n'allez pas évoluer. Mon objectif, moi, dans ces tutos, c'est surtout quand même que vous obteniez une certaine autonomie lorsque vous souhaitez tricoter un ouvrage. Du coup, pour le nombre de mailles, je ne vais pas du tout me soucier de savoir si c'est multiple de 2 plus 1 ou autre chose. Je vais simplement me référer à ce que m'indique l'étiquette. En jersey, sur l'étiquette, on me dit qu'il faudrait monter 24 mailles et les tricoter pendant 26 ou 28 rangs, j'y vois pas très bien, avec des aiguilles 4 pour obtenir un carré de 10 sur 10. Alors 24 mailles, ça ira très bien puisque de toute façon, cet échantillon, vous allez devoir l'étirer. Donc vous aurez forcément plus de 10 cm de large, il n'y a pas de souci. Par contre, 28 rangs de haut, dans la mesure où en tirant sur l'échantillon, au moment de le bloquer, on va diminuer la hauteur. Moi, je vous conseille de tricoter ce point fantaisie jusqu'à ce que vous ayez au moins 15 ou 16 cm. Ici, c'est un point qui sera tricoté très lâche, avec des aiguilles beaucoup plus grosses que celles qu'on utiliserait pour du jersey. Donc, en l'occurrence, moi, ça sera des aiguilles 5,5. J'ai fait beaucoup d'essais et finalement, je n'ai trouvé qu'une seule solution pour éviter des problèmes de tension entre la partie haute de l'ouvrage qui est en point fantaisie et la partie basse de l'ouvrage qui est en jersey. C'est d'utiliser des aiguilles encore plus grosses pour faire le montage et pour rabattre les mailles. Souvenez-vous, avec cette laine, pour le jersey, j'utilise des aiguilles numéro 4. Pour le point fantaisie, j'ai utilisé des aiguilles une taille et demie au-dessus, c'est-à-dire des aiguilles 5,5. Et bien, pour faire le montage, pour monter le nombre de mailles dont j'ai besoin, que ce soit pour l'échantillon ou tout à l'heure pour le haut du pull, j'utilise des aiguilles encore plus grosses, une demi-taille, voire une taille au-dessus, donc en l'occurrence des aiguilles numéro 6. Alors, vous avez la possibilité d'essayer de monter et de rabattre très souplement en gardant les mêmes aiguilles, mais très honnêtement, vous n'aurez pas un résultat aussi probant. La seule chose à laquelle il va falloir penser, c'est donc d'utiliser des aiguilles plus grosses pour faire le montage des mailles, de reprendre vos aiguilles normales pour le point fantaisie, et de reprendre encore les aiguilles plus grosses pour rabattre les mailles. Le seul souci qu'il y aurait, voilà, c'est d'oublier de changer d'aiguille au bon moment. Alors il ne faut surtout pas oublier, parce que si vous faites votre point fantaisie avec des aiguilles plus grosses que celles que vous utiliseriez pour tricoter l'ouvrage lui-même, votre échantillon sera faux. En tout cas, voilà, utilisez pour le montage et pour abattre des aiguilles plus grosses que celles que vous utilisez pour le point fantaisie. Je vais donc monter 24 mailles. Voilà. J'ai monté mes 24 mailles, mais on ne va pas commencer le point fantaisie tout de suite. On va commencer par faire 2 ou 4 rangs de jersey, histoire que les premiers trous ne soient pas complètement au bord. Donc le jersey, c'est sur les rangs impairs, toutes les mailles sont tricotées à l'endroit. Sur les rangs pairs, toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Voilà, je termine de tricoter mon 4e rang de jersey. Alors, ces 4 rangs ne font pas partie du point. C'est simplement pour éviter d'avoir le motif qui démarre directement après le montage des mailles. Là, maintenant, je vais faire ma première série de 6 rangs de jersey. Et je vais décider du nombre de mailles que je vais tricoter pour rien au départ avant de commencer le motif. Donc là, moi, je vais choisir 2. Ça pourrait être 3, ça pourrait être 4. C'est à vous de décider, je choisis 2. Ça veut dire que je vais commencer mon motif après avoir tricoté 2 mailles à l'endroit pour rien. Maintenant, je vais commencer mon motif et je vais commencer par enlever une maille. Pour ça, on va faire un surjet. Alors voilà ce qu'est un surjet. Je glisse une maille sans la tricoter. Vous voyez, je l'ai prise à l'endroit puisqu'on est sur un rang impair, tout se fait à l'endroit. Je tricote la suivante. Et la maille que j'ai glissée, je viens la rabattre par-dessus la maille que j'ai tricotée. J'avais 2 mailles, il m'en reste qu'une, donc j'ai bien diminué d'une maille. Or, on veut toujours le même nombre de mailles pour notre motif. Donc, je vais derrière rajouter immédiatement, compenser avec un jeté. Le jeté, c'est le filet derrière. Je le passe entre les aiguilles devant et je le remets derrière. J'ai donc rajouté, grâce à un jeté, une maille. Tous les surjets seront suivis, seront compensés par un jeté. Sinon, votre nombre de mailles va être modifié et vous n'allez pas tricoter, ça va réellement vous poser des problèmes. Ensuite, je continue. Encore un surjet. Je glisse une maille. Je tricote. Je prends la maille glissée, je rabats. Voilà mon surjet. Et donc, directement derrière, je refais un jeté. Et je continue. Je glisse une maille. Je tricote. Je rabats. Je jette. Donc, vous voyez que mon fil, quand je fais le jeté, je reste devant. Je ne vais pas derrière. Pourquoi ? Parce que comme derrière, je vais faire directement un autre surjet, je glisse, je tricote, du coup mon fil, je l'emmène naturellement derrière. Je rabats, je jette. Et on va faire comme ça, je glisse, je tricote, je rabats, je jette, presque jusqu'à la fin du rang. Je glisse, pardon, je tricote, je rabats, je jette. Je glisse, ça fait comme une petite chanson. Je rabats, je jette, je glisse, je tricote. Quand je rabats, veillez bien à ne pas prendre votre fil du jeté. Prenez bien la maille que vous avez glissée. Parfois les deux se montent l'une sur l'autre, donc n'hésitez pas à bidouiller un peu. Je rabats, je jette. Jette. J'arrive vers la fin et là je vais me poser la question suivante. Donc vous savez que le petit trou, ça sera grâce au jeté. Est-ce que je veux que mon petit trou soit complètement au bord ou un petit peu avant? Et là c'est vous qui allez décider. Moi je décide de faire encore un surjet plus un jeté et donc mon dernier trou sera presque au bord. Je glisse, pardon. Je tricote. Je rabats. Je jette. Et là maintenant, les 2 dernières mailles, je ne vais pas faire un autre surjet et un jeté, j'ai plus la place. Donc je tricote tout à fait normalement mes 2 dernières mailles. Par contre, donc voilà, mon premier rang est terminé. Par contre, je me souviens bien qu'au départ, quitte à le noter quelque part, sur ma première série, j'ai tricoté 2 mailles pour rien. Et la fin, je ne m'en préoccupe pas spécialement parce que vous prendrez vite l'habitude de vous arrêter au moment souhaité. Donc maintenant, je vais terminer ma série de 6 rangs de jersey. J'en ai déjà fait un, le rang 1. Donc le rang 2, je vais le tricoter bien sûr tout à l'envers. Donc à l'envers, et on va voir comment on tricote nos jetés. Alors le voilà, le fil du jeté. Il est assez particulier, vous voyez, il est très lâche. Il n'est pas tenu à l'aiguille. Je le tricote normalement, comme une maille normale. Encore un jeté. Et je vais jusqu'au bout comme ça, et je tricote toutes les mailles à l'envers. Alors parfois le jeté se positionne mal, c'est-à-dire qu'il se met un petit peu, je vais y arriver peut-être, voilà. Il se met un petit peu par-dessus la maille précédente. Tirez un petit peu, il se remettra dans la bonne position. Quand on tricote vite, au bout d'un moment, le jeté, il a tendance un peu à se mettre un peu n'importe où, mais si vous tirez un petit peu, si on vous aiguille comme ça, vous voyez, il se remet bien correctement en place, il n'y a pas de souci. Et je tricote mon rang numéro 2, donc jusqu'au bout, tout à l'envers. Donc on va finir ce rang et regarder ce que ça donne. Tiens, imaginons que le jeté y tombe. Vous tirez trop fort, le jeté y tombe. Tac, voilà. Pas de panique, vous venez le reprendre. Comme ceci. Je le refais tomber et je le reprends. Comme ceci. Et je le tricote. Ça peut vous arriver qu'un jeté tombe. Quand on tire un petit peu trop. Voilà pour le rang numéro 2, et on va regarder si on voit quelque chose. Donc on voit que là où on a tricoté nos jetés normalement sur le rang numéro 2, et bien ça fait un petit trou. Maintenant il me reste, donc j'ai tricoté le rang 1 et le rang 2, il me reste le rang 3, 4 et 5 à tricoter tout à fait normalement en jersey. Et j'aurai fini ma première série de 6 rangs. Je termine mon 6e rang de jersey. J'ai donc terminé ma première série. On regarde un petit peu. Voilà, donc là pour l'instant il n'est pas encore bloqué, il n'est pas encore écarté. Tout ce qu'on a c'est du jersey et des petits trous. Alors voilà comment je pourrais noter ça. Tout est en jersey. J'ai fait un premier rang où au départ j'ai tricoté 2 mailles pour rien. Donc j'écris 2. Et il se trouve que j'ai terminé par 2 mailles pour rien, c'est-à-dire que mon dernier jeté est à 2 mailles avant la fin, j'ai tricoté 2 mailles en droit à la fin. Ensuite j'ai tricoté le rang numéro 2 tout à fait normalement, toutes les mailles à l'envers, en tricotant mes jetés comme le reste des mailles à l'envers. Puis j'ai fait le rang numéro 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai fait ma première série de 6 rangs. Pour ce qui est de la deuxième, puisque tout à l'heure, j'ai tricoté 2 mailles pour rien au départ. Là, je vais décider si je tricote une maille ou 3 mailles pour rien. C'est-à-dire que je vais décaler d'une maille de sorte que mes trous soient en quinconce par rapport à la série précédente. Donc là, je vais décider de ne décaler que d'une maille. 2 tout à l'heure, une maintenant. Si ça avait été 4 tout à l'heure, j'aurais pu faire 3 ou 5. C'est toujours décaler d'une maille dans un sens ou dans l'autre. Donc je fais une maille pour rien. Et ensuite, je fais mon premier surjet. Je glisse, je tricote, je rabats, et donc tout de suite après, je jette. Et je continue. Pardon. Je glisse, je tricote, je rabats, je jette. Et je fais ça quasiment jusqu'à la fin du rang. Et je vais voir à quel moment je fais mon dernier surjet. Je glisse. Il se met, parfois il se met un petit peu mal, mon fil quand je le remets derrière pour m'en jeter, parfois il se met par-dessus, donc voilà, je fais un petit peu attention. Je rabats et je jette. Je glisse, je tricote, je rabats, j'arrive à la fin du premier rang de ma deuxième série, je fais un jeté, et maintenant je regarde. Si je voulais faire encore... je glisse, je tricote et le jeté, j'aurai un trou à une maille du bord. Bon, moi ça me semble un petit peu trop près, donc là je vais tricoter 3 mailles pour rien. Souvenez-vous, tout à l'heure c'était 2, et bien là c'est 3. Donc j'ai bien fait mon jeté, pensez-y bien, sinon votre nombre de mailles va être modifié. Et je tricote les 3 dernières mailles pour rien. Et ensuite, hop là, ensuite je continue, comme pour la série précédente, je continue mon jersey. En tricotant sur le rang numéro 2, mais jeté comme les autres mailles tout à fait normalement à l'envers. Donc là j'ai 3 mailles tout à fait normales, voilà mon premier jeté et je le tricote. Et je fais comme pour la première série, donc 6 rangs de jersey en tout. Je voulais juste vous montrer que sur les rangs numéro 3, le jeté qui a été tricoté tout à fait normalement sur le rang numéro 2, il a encore une tête un petit peu bizarre. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est une maille comme les autres tout à fait normale. Voilà, vous voyez, on le voit là, et c'est un petit peu plus lâche, ben, c'est normal, il y a juste le petit trou dessous. Donc sur les rangs numéro 3, vos mailles n'ont pas tout à fait une tête classique. Il ne faut pas vous en inquiéter, c'est tout à fait normal. Quand il y a des jetés, c'est toujours comme ça que ça fait. Voilà, j'attaque mon quatrième rang. Voilà, j'ai terminé ma deuxième série de 6 rangs. Donc juste une petite chose, là ce petit nœud, vous voyez, ça arrive assez régulièrement. C'est au moment de la fabrication de la pelote de laine, soit que le fil soit terminé, soit qu'il est cassé. Ils font des petits nœuds comme ça et vous vous retrouvez. Donc là, pas de bol, il est sur l'endroit du travail. Mais enfin, peu importe, c'est un échantillon. Alors on regarde et on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose pour l'instant parce qu'on a tricoté ce point fantaisie avec des aiguilles beaucoup plus grosses que celles préconisées pour cette laine. Mais c'est le but du jeu dans ce tuto. Donc on voit pas vraiment que les trous sont en quinconce. Mais si on écarte, on s'aperçoit que les trous sont en quinconce. Les jours, ça s'appelle. Alors voilà comment on pourrait noter la deuxième série. J'ai commencé cette fois-ci par faire une maille pour rien, ensuite j'ai fait mon rang. J'ai terminé, bah tiens je vais regarder parce que je ne sais plus, par 3 mailles pour rien à la fin. Voilà. Et puis j'ai fini ma série. Donc c'est parce que j'ai décalé ici d'une maille par rapport à la série précédente que mes trous sont en quinconce. Donc je vais faire ça à chaque fois. Maintenant je vais reprendre à la première série, 2 mailles pour rien. Ensuite je ferai la série numéro 2, une maille pour rien, et je vais alterner comme ça chacune des séries, de sorte qu'il y ait un décalage d'une maille, qu'il fasse que mes trous sont en quinconce. Alors peut-être que vous allez vous interroger, au moment où vous tricotez, si vous avez oublié de le noter, mais j'en suis où? Est-ce que je suis à la série où je fais 2 mailles pour rien, ou celle où je fais 3 mailles pour rien? Eh bien, observez, si je regarde mes deux premiers trous, je vois que celui-ci est beaucoup plus éloigné du bord que celui-ci. Vous voyez? Donc ça veut dire que le suivant doit être plus éloigné du bord. Je compte les mailles qu'il y a par rapport au bord. 1, 2, 3. Donc il y a eu 2 mailles pour rien, et ça c'est la maille qui reste de mon surjet, et ensuite le petit trou. Donc ici, je vais commencer par 2 mailles pour rien, et faire mon surjet, et ensuite mon petit trou. Et de cette façon, je vais revenir à la série numéro 1. Là c'est l'inverse. Je compte le nombre de mailles qu'il y a entre le jour et le bord. Alors c'est pas toujours bien facile, mais il y en a 2. 1, 2, ça veut dire que j'ai fait une maille pour rien, mon surjet, et il reste une maille de ce surjet, et puis directement le jeter derrière. Le mieux c'est quand même de le noter et d'alterner comme ça vos séries de 6 rangs. Donc là, j'ai fait 6 et 6, 12 et 4, 18 rangs. Il faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Je suis en train de chercher, hop, le mètre. Il faudrait que j'en fasse beaucoup plus pour que j'arrive à mes 10 cm. Vous voyez là je suis à 6 et si j'étire, parce que c'est ce qui va se passer à la fin quand je vais venir le bloquer pour le compter, si j'étire j'aurai encore moins, j'aurai que 5. Donc faites facilement 14-15 cm de sorte que une fois bloqué vous ayez quand même correctement vos 10 cm de haut pour compter votre échantillon. Quand vous avez tricoté suffisamment de hauteur, vous venez donc rabattre toutes les mailles en utilisant bien sûr une aiguille plus grosse, la même que celle que vous aviez utilisée pour monter les mailles. Ensuite, vous venez l'épingler de sorte que votre échantillon ressemble à peu près à un carré. Il faut que la partie que l'on va mesurer fasse au moins 10 par 10, mais le minimum, ça serait 12 par 12, ça serait quand même plus simple pour mesurer. Donc étape 1, vous épinglez votre échantillon. L'étape 2, vous envoyez la vapeur, mais faites attention, ne touchez pas votre échantillon avec votre fer. D'abord parce que votre fil peut-être ne le supporte pas, et parce qu'il ne s'agit pas d'écraser le fil. Ensuite, vous le laissez sécher, donc ça peut ne pas durer très longtemps, hein, peut-être un quart d'heure, et seulement alors, vous venez enlever vos épingles, et vous aurez votre échantillon, votre point fantaisie qui sera dans sa forme définitive, et que vous pourrez à ce moment-là mesurer. Alors pour être plus à l'aise, j'ai laissé tomber l'échantillon que j'ai commencé à tricoter avec vous et puis j'ai repris celui que j'avais fait à l'avance qui est beaucoup plus grand parce que comme je suis très mal installée, il vaut quand même mieux utiliser, pour faire la vidéo en tout cas, quelque chose de beaucoup plus grand, mais vous n'avez besoin que une fois bloqué d'un carré de 11 par 11 ou de 10 par 10 au minimum. Voilà, donc mon échantillon, il n'a plus du tout la même tête que tout à l'heure. Et bien tout simplement parce que je l'ai étiré et j'ai envoyé la vapeur, je l'ai bloqué avec des épingles en fait pour l'étirer correctement. J'ai passé la vapeur par-dessus, le fer à repasser, et puis je l'ai laissé sécher. C'est ce qu'on appelle bloquer un ouvrage. Du coup, on voit que le motif se dessine beaucoup mieux, mais on voit aussi que ça a complètement changé les dimensions par rapport à ce qu'on avait fait au départ. Alors là, il me faut pour l'instant compter le nombre de mailles qu'il faudrait que je monte pour tricoter 10 cm. C'est le principe même de l'échantillon. Alors normalement, vous voyez ce trou là, les trous qu'il y a, ça correspond à notre jetée. Et normalement, on ne compte pas les jetées. Ça veut dire que ceci ne doit pas compter pour une maille. Par contre, entre deux trous, c'est ce qu'on appelle, souvenez-vous, c'est le surjet. Et rappelez-vous, on avait besoin de deux mailles pour faire un surjet. La première que je glisse, la deuxième que je tricote, et je rabats la première, la maille glissée sur la maille tricotée. Donc on pourrait se dire, chaque fois que j'ai un surjet, j'ai deux mailles. Mais en fait, ça ne va pas nous faciliter la chose si on tombe entre deux. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter une maille pour un trou et une maille seulement pour un surjet. On va compter les jetés, chose que normalement on ne fait pas. Donc je me mets, je m'aligne avec le bord d'un petit trou et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mon 10 cm est là. J'ai donc, il faudrait que je monte 13 mailles pour que, en le tricotant à ce point, avec ce point fantaisie, j'ai 10 cm. Pour compter le nombre de rangs, ça ne va pas être très difficile non plus. On sait que mon motif, le motif entier, fait 6 rangs, c'est-à-dire du bas du premier jeté jusqu'au bas du jeté suivant, on a 6 rangs, on a une série de 6 rangs. Donc je vais compter les séries de 6 rangs. Je me mets en dessous, enfin au niveau, je m'aligne par rapport au premier trou. 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 séries de 6 rangs, j'ai donc 24 rangs pour 10 cm. Maintenant que j'ai fait, que j'ai compté mon échantillon, je vais pouvoir du coup faire les calculs pour la partie haute de ce petit pull. Donc l'échantillon, je vous rappelle, c'est 13 mailles et 24 rangs. Donc, ah ben tiens, il me manque une dimension ici. Tac, 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 78. Voilà. 78 que je divise par 10, 7,8. Donc je vais multiplier 7,8 par le nombre de mailles, donc fois 13. Je trouve 101,4. Alors je vais arrondir à 100 et c'est ici en fait qu'il nous faut un nombre pair de mailles et non pas de ce côté-là, puisque c'est ici qu'on va venir centrer la partie d'en bas. Mais bon, donc là c'est 100 mailles. Pour le col, rappelez-vous, j'ai modifié un petit peu la dimension parce que je le trouvais trop étroit. 2,6 fois 13, 33,8 mailles, autant dire 34. Pour la hauteur, 19, donc 1,9, que multiplie cette fois-ci 24. Ça fait 45,6. Donc en hauteur, c'est toujours un nombre pair, donc ça va nous faire 46 rangs de point fantaisie. Quand je vais venir monter mes 100 mailles pour faire le haut du pull, je vais venir poser des marqueurs pour que je sache à l'avance comment je vais centrer le bas de mon pull quand je vais faire la couture. Donc je viendrai poser un marqueur sur les mailles que je monte, seulement il faut que je sache à quel endroit je vais les poser. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va calculer 47 cm, mais avec l'échantillon du point fantaisie. Donc 4,7 fois 13, 61,1, donc on va faire 62. Donc on sait que entre mes deux marqueurs, j'aurai 62 mailles. Comme j'en ai 100 au départ, et que j'en aurai 62 qui seront au milieu, moins 62. Je dois répartir mes 38 mailles un peu au début et un peu à la fin. Je vais centrer, donc je vais diviser par 2. 38 divisé par 2. Donc 19 mailles. Sur la 19e, je viendrai poser un marqueur. Et je poserai un marqueur sur la 19e maille, pardon, en partant de la fin. Donc une fois que j'ai monté toutes mes mailles, je compte 19, je pose un marqueur, je compte 19, je pose un marqueur. Et on va faire la même chose pour le col. Mon col, il fait 34 mailles. Et évidemment, il va falloir que je vienne poser là aussi un petit marqueur en début et en fin de col pour que quand je vais venir coudre les deux hauts ensemble, eh ben je je sache exactement comment centrer les choses pour que le coup soit, le passage de la tête, pardon, soit au même endroit des deux côtés. Donc j'ai 34 mailles, au départ j'en avais 100. Moins 34 mailles pour l'encolure. 66, que je divise par 2, 33. Donc 33 mailles d'un côté, 33 mailles de l'autre. Ce qui fait que avant de venir rabattre sur le rang, le dernier rang que je vais tricoter, donc le 46e en l'occurrence, je vais venir poser un marqueur sur la 33e maille et je poserai un marqueur sur la 33e maille en partant de la fin. Le haut, je vous le rappelle, j'ai fait l'échantillon en le tricotant avec des aiguilles, en ce qui me concerne, 5,5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va monter et rabattre le haut du pull avec des aiguilles légèrement plus grosses que celles avec lesquelles on tricote le point fantaisie. Donc en l'occurrence, en ce qui me concerne, je vais monter mes mailles avec une aiguille numéro 6, d'un diamètre 6, et je les rabattrai aussi avec un diamètre 6 pour garder le maximum de souplesse à l'ouvrage. Je dois donc monter 100 mailles. Alors, je vais les monter, comme je vous le disais, avec des aiguilles numéro 6, puisque je tricote le point fantaisie avec des aiguilles 5,5, donc je monte avec une aiguille légèrement plus grosse. Si vous n'avez pas d'aiguille avec une demi-taille au-dessus, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est monter les mailles, mais très souplement, c'est-à-dire le plus lâche possible, sans trop tirer sur les fils. Pour ce qui est du fil perdu, j'ai pas besoin de garder énormément de fil pour la couture, puisque ça sera juste pour les dessous de manche. Donc je vais prévoir par exemple, je sais pas, 40 cm pour les dessous de manche, et ensuite, comme d'habitude, 3 fois la largeur totale, donc moi 3 fois 78. Donc je le fais un peu comme ça. J'ai préparé mes marqueurs pour monter mes mailles, donc vous savez que j'ai l'habitude de mettre un marqueur toutes les 10 mailles. Et j'ai préparé aussi, ici, les marqueurs pour venir donc centrer le bas du pull. Alors j'ai pris évidemment un marqueur, un fil tout à fait différent pour ne pas le confondre avec les autres, hein, tout simplement. Donc, mon fil perdu, plus le fil pour monter les mailles. Voilà. Et je vais en monter 100. Voilà, j'ai monté mes 100 mailles et donc maintenant je vais venir poser mon marqueur 10 à 19 mailles du bord. Donc un paquet de 10, 10, 20 et la 19e est ici. Alors j'ai bien fait d'utiliser des aiguilles un peu plus grandes pour monter mes mailles parce que j'ai tendance à monter très serré. Et ce qu'on recherche sur les bords du haut du pull, c'est justement un maximum de souplesse. Donc là, ce que je fais, c'est que c'est un marqueur qui ne va pas bouger, c'est-à-dire que je suis venue le rentrer dans la maille elle-même. Pareil de l'autre côté, 10, 20, 19, la 19e est ici, et je viens, voilà, et je fais un petit nœud. Là, j'ai prévu un gros marqueur. Alors maintenant, je vais commencer par tricoter 4 rangs de jersey. Alors ça peut être 4, ça peut être 6, c'est vous qui voyez... Comment vous voulez faire. L'objectif, c'est non seulement qu'il n'y ait pas de petits trous tout à fait au bord de l'ouvrage, parce que ça va compliquer la couture au point arrière, mais aussi, comme le bord, le buste, le haut, on va dire, arrive quasiment enfin, à la hauteur de sein, il est peut-être mieux de ne pas faire des petits trous dès le départ. Hein, comme ça. Alors pour les plus pudiques d'entre nous, vous pouvez même tricoter 6, 8 rangs en jersey, c'est vous qui voyez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 rangs. Ce que je n'oublie pas de faire en revanche non plus, c'est de changer d'aiguille. Mon motif se tricote en 5,5, donc sur le premier rang, j'utilise bien aiguille 5,5, et sur le deuxième rang, j'oublie pas de prendre ma deuxième aiguille en 5,5, parce que sinon ça va poser un petit problème, mes calculs ne seront plus justes. Je termine hop, mon rang numéro 1, et donc j'oublie pas de changer d'aiguille. Alors là, je sais pas si on voit, oui. Voilà, mes marqueurs sont restés en place. J'ai enlevé le marqueur du montage des mailles, tous les marqueurs que j'avais mis, et il ne reste évidemment que ceux qui me permettront de centrer correctement le bas du pull sur le haut. Ah zut, c'est un rond. Ben, d'accord. Ah bah tiens, au moins comme ça, on va voir comment on démonte une maille. Hop, voilà. Rang numéro 2, tout à l'envers, bien sûr. Je déteste tricoter avec des aiguilles aussi lourdes en acier. si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être... Alors déjà, vu le nombre de mailles, tricoter avec des aiguilles courtes, c'est pas forcément l'idéal, mais moi j'aime pas du tout tricoter avec des aiguilles très longues, parce que je suis pas à l'aise. Mais là, en l'occurrence, dans un diamètre aussi gros, les aiguilles en acier, ça a tendance quand même un petit peu à beaucoup alourdir, et puis ça glisse, ça fait un peu bizarre. Bon allez, je fais mes 4 rangs. Je termine mon 4e rang de jersey. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer le motif à proprement parler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme pour l'échantillon. Une première série où je tricoterai 2 mailles pour rien. Et ensuite, je ferai mes surgés jetés, et je terminerai mes 6 rangs. La série suivante où je ne tricoterai qu'une maille pour rien, je décale de 1, je fais mes 6 rangs, et je reviens à la première série. 2 mailles pour rien, je termine, une maille pour rien, je termine, et je vais alterner comme ça mes séries de 6 rangs. Combien de motifs je vais faire? Donc, en tout, je dois tricoter 46 rangs. J'en ai déjà tricoté 4 ici. Ensuite, je dois faire mes séries de 6 rangs et il faut savoir que je ne veux pas terminer par des petits trous au bord. Si je termine par les petits trous, je vais y arriver. Au bord, je vais avoir un sacré problème pour faire la couture en point arrière. Vous avez vu que le rang numéro 1, 2 et même le 3 du motif sont un petit peu particuliers à cause des jetés. Donc il faut que je fasse en sorte de faire un certain nombre de motifs et de terminer au minimum par... J'allais dire 4 rangs de jersey, ça serait pas mal. Mais ça peut être 6, ça peut être 8, c'est vous qui décidez. Donc moi, ben comme dit ma grand-mère, j'ai un peu le cul bordé de nouilles parce que si j'ai fait 4 rangs ici et que je fais 7 motifs, 7 x 6, 42, plus 4, 46. Et mon dernier motif se termine donc par 4 rangs en jersey. Donc du coup, ça ira pile poil. Donc je vous laisse calculer et vérifier comment, enfin, vous pouvez le calculer à l'avance ou le faire au dernier moment. Faire en sorte que vous ne terminiez pas avec des trous trop au bord du dernier rang tricoté, parce que réellement ça va nous poser des problèmes. Je commence donc mon motif avec 2 mailles pour rien. Donc là c'est juste un petit rappel, 2 mailles pour rien, et ensuite le surjet qui sera compensé par un jeté. Je glisse, je tricote, je rabats, je fais mon jeté, et je continue, je glisse. Je tricote, je rabats et j'oublie pas de faire mon jeté pour compenser. Voilà, une série qui commence en ce qui me concerne par 2 mailles pour rien, la série suivante par une, ensuite 2 mailles pour rien, une maille pour rien, etc. Je termine de tricoter mon 46e rang. Voilà. Donc maintenant, je vais poser mes marqueurs avant de rabattre. Donc je compte 33 mailles et je pose mon marqueur sur la 33e maille et je fais pareil à partir de la fin. Voilà, maintenant que j'ai posé mes 2 marqueurs pour l'encolure, je vais venir rabattre, donc j'oublie pas d'utiliser une aiguille légèrement plus grande, ici une aiguille numéro 6, et si j'en ai pas, je rabats très souplement, c'est-à-dire en tirant le moins possible sur le fil. Alors à ce stade-là, au fait, j'avais oublié de vous le dire, c'est pas la peine d'essayer de mesurer ce que vous avez tricoté. Tant qu'il n'est pas étiré correctement et qu'on n'a pas passé la vapeur dessus, le fer à repasser dessus, vous n'aurez pas du tout les bonnes dimensions et ça va vous paniquer pour rien. Voilà, je termine de rabattre. Et je vais garder suffisamment de fil perdu pour pouvoir faire la couture, donc du bord de la manche jusqu'à l'encolure. Hop, donc je vais laisser un petit peu de longueur. Donc il faut maintenant tricoter une deuxième partie exactement semblable à la première. Donc vous allez bloquer les 2 parties de votre ouvrage en même temps. Vous allez les épingler délicatement en respectant les dimensions. Donc moi c'était 78 de large et 19 de haut. De ce fait, vous ne tirerez pas trop. Vous tirerez juste ce qu'il faut pour que ce soit aux bonnes dimensions. Ensuite, vous envoyez la vapeur sans écraser le fil et sans le brûler. Vous laissez sécher 10 minutes, un quart d'heure. Et enfin, vous enlevez les épingles pour pouvoir faire la couture. Voilà, donc vous avez vu avec les photos que j'ai faites que pour repasser convenablement, enfin pour bloquer convenablement ces deux empiècements, le haut, eh ben il faut les épingler correctement, envoyer la vapeur, tirer mais pas trop, enfin voilà. Tout un truc que je ne faisais pas, que j'ai jamais fait, déjà parce que je repasse pas, donc du coup j'avais même pas de planche à repasser, c'est vous dire, mais aussi parce que je fais en général les choses à l'arrache. Ce qui fait que, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai fait à l'arrache, voilà. Et puis j'ai recommencé parce que ça a été une vraie catastrophe, notamment parce qu'il y a un des deux où j'ai monté avec des aiguilles, j'ai pas monté avec des aiguilles plus grosses, donc plus raides. Ensuite, quand j'ai repassé, j'ai tiré dessus comme un âne, comme j'ai pas de planche à repasser, j'ai fait ça genre sur la table un peu, et puis je tirais au fur et à mesure, enfin bon bref. Donc je me suis retrouvée avec un truc complètement difforme. Un point tout aplati, hyper ajouré. C'est carrément du filet de pêche, quoi. Voilà. Et puis surtout, comme j'ai fait ces deux parties, enfin que je les ai repassées, que je les ai bloquées avec un certain temps d'intervalle, notamment ben, le temps de le faire, et que j'ai pas dû tirer comme un âne de la même façon les deux fois. Peut-être la deuxième fois, j'ai un peu culpabilisé, j'ai tiré un peu moins, j'en sais rien, mais enfin voilà quoi. Voilà, il manque 10 cm au deuxième empiècement. Moralité, il va falloir que je m'y fasse, hein, mais parfois il faut faire les choses calmement et correctement. Donc j'ai tout recommencé. Et les voilà, mes deux parties. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à la couture. Et on va commencer par coudre le haut des pièces. Voilà, donc là, entre ces deux marqueurs, c'est l'encolure. Ici aussi, il va falloir donc évidemment coudre les bras, hein, pour ainsi dire. On va le faire en couture arrière et ça se fait en mettant les deux faces, les deux endroits l'une sur l'autre. Donc voilà, les envers sont ici. Et on va venir coudre endroit contre endroit en point arrière du début. Et on va venir jusqu'au petit marqueur. Donc là, je ne vais pas épingler. Pour une raison très simple, c'est qu'on va pouvoir coudre régulièrement parce que les mailles, sur la tranche là, je vous avais déjà demandé d'observer un petit peu les mailles que ça faisait quand on rabat, eh bien elles sont exactement de la même taille, normalement, sur une pièce et sur l'autre. Ce qui fait que ça va nous servir de repère pour avancer de manière régulière, donc j'ai pas besoin d'épingler à l'avance. Je vérifierai juste, je me mettrai au point de départ avec bien mes marqueurs face à face et vous verrez normalement tout devrait bien se passer. Donc là, je vous remontre un petit peu sur la tranche. Voilà, donc ça fait comme un petit V. Et sur la tranche de la partie en face, on va avoir aussi comme un petit V. Si je les mets face à face, alors c'est pas super évident, mais voilà. J'ai plusieurs choix. Soit je prends les deux brins d'une tranche plus les deux brins de l'autre tranche et je passe dessous. Soit je peux prendre le brin extérieur d'une tranche et le brin extérieur de l'autre, soit au contraire le brin intérieur et le brin intérieur. Voilà. Quand je vais venir passer mon aiguille sous ces petits V, sous ces mailles, j'ai quand même pas mal de possibilités. Sachant que en fonction de ce que vous allez faire, les quatre ensembles, les deux intérieurs ou les deux extérieurs, de l'autre côté, sur la partie visible, ça n'aura pas le même effet esthétique. Par exemple, si je prends les deux brins extérieurs, je vais avoir un liseré relativement épais qui sera formé en fait par ces deux brins que je laisse ici et qui se voient de l'autre côté. Alors là, il faut faire un choix. Hein, c'est pas... Vous pouvez parfaitement vous dire que vous prenez les quatre brins ensemble et puis comme ça, il n'y aura pas de souci. Mais il faut savoir quand même que ça modifie les choses. Ça veut dire notamment que si vous commencez d'une façon en début de couture, il faut adopter la même manière de faire jusqu'au bout. Autre chose que je veux vous montrer, c'est que le point arrière, le principe, c'est d'avancer de deux pas, donc deux mailles, on va dire qu'un pas c'est une maille, et de revenir d'un pas. Voilà. J'avance de deux mailles et je reviens d'une maille. Alors la première chose qu'on va faire, c'est venir mettre ensemble les deux parties. Il se trouve que généralement, les mailles qui sont au bout, comme ceci, sont parfois un petit peu déformés. Donc moi ce que je fais, c'est que je profite du moment où j'arrime une partie à l'autre pour venir essayer de corriger tout en restant un maximum souple. Donc cette maille là, elle me convient pas. Donc je vais carrément, c'est pas une maille, c'est une sorte de boucle, voilà. Et j'essaye de camoufler ce petit défaut. Alors tranche contre tranche, là on voit mes V, de ce côté ils sont un petit peu moins visibles parce que ça a tendance à tourner. Je vais donc prendre les deux brins d'une tranche et le brin extérieur de l'autre uniquement. Et j'ai fait un, deux pas, donc comme ça. Je tire pas le fil complètement, personnellement, je le tirerai une fois que je... Alors je reviens d'un pas, je prends le brin extérieur d'une tranche et les deux brins. Là, il faudrait que j'écarte un petit peu, mais avec la caméra, c'est pas forcément... Et les deux brins de l'autre, voilà. Et c'est uniquement quand je suis passée de l'autre côté que je tire ma boucle. Alors vous voyez là, je tire pas trop fort. Un pas, deux pas, je prends les deux brins et ici, en face, je prends que le brin extérieur. Je tire un peu, mais pas trop. Je prends le brin extérieur de ce côté et les deux brins de l'autre. Je cale, un pas, deux pas. Alors en se mettant bien en face, logiquement on ne peut pas se décaler, puisque les mailles font la même, un brin plus les deux autres. Comme les mailles font la même taille, puisque j'ai rabattu a priori de la même façon avec les mêmes aiguilles, il n'y aura pas de souci. On verra tout à l'heure que pour la couture du bas, c'est pas aussi évident, puisque par définition, les mailles d'un côté n'auront pas la même taille que la partie du bas qu'on a montée. Je sais plus, moi je crois que j'ai rabattu le bas avec les aiguilles numéro 4, alors que j'ai monté l'empiècement du haut avec des aiguilles numéro 6. Donc forcément, on va avoir un souci pour faire deux pas en avant, un pas en arrière. On ne pourra pas se fier au repère des mailles, mais je vais essayer de vous montrer moi comment je m'en sors. Voilà, donc je vais faire comme ça jusqu'au repère rouge. Alors ça ne vous empêche pas de temps en temps de vérifier que vous êtes bien toujours face à face. Mais si vous restez régulière dans vos régulières ou réguliers d'ailleurs, dans vos pas, logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci. Notez quand même au passage que je tire pas trop. Alors ça, c'est le deuxième pull que j'ai fait, le beige et bleu, où j'ai cousu en point arrière comme je fais d'habitude, donc un petit peu à l'arrache, il faut bien le dire, et un petit peu en tirant. Et quand la couture n'est pas assez souple, ça pose un problème. Alors ça se trouve, je vais avoir un problème parce qu'elle sera trop souple, mais ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, je vous aurais prévenu avant que vous ne regardiez ce petit passage. Et vous pouvez le faire, hein, venir vérifier un petit peu votre travail. Donc là, j'ai pas fini de coudre, mais simplement j'ai retourné pour voir. Et vous voyez le deuxième brin, le brin intérieur que je ne prends pas au passage, eh bien, on le retrouve ici et ça fait un petit liseré. Si j'écarte de cette façon, on voit quand même que la couture est assez souple, ce qui est honnêtement pas plus mal à mon avis. Donc n'hésitez pas, quand vous avez fait 2-3 cm, à venir vérifier votre travail, et si ça vous convient, vous continuez comme ça, sinon vous cherchez une solution, peut-être mettre les 4 brins ensemble plutôt que de faire un choix, peut-être serrer un peu plus, peut-être serrer un peu moins, mais faites-le dès maintenant. Alors là j'arrive sur la fin, et bon, je suis assez contente de moi, puisque j'arrive vraiment avec mes deux repères. Donc un pas, deux pas, je vais terminer, et je vais surtout arrêter le fil, d'ailleurs il était temps parce que j'en avais plus vraiment assez. Voilà, donc là j'ai fini. Donc ce que je vais faire quand même, c'est refaire un petit passage au niveau de l'encolure avec donc deux pas et un peu plus serré. Voilà, mon objectif c'est de faire un point un petit peu plus serré ici. Ensuite je vais venir faire courir le fil le long de la couture intérieure, alors sans passer de l'autre côté. Voilà, hop là. Voilà. Un petit peu de surplace pour le sécuriser. Je le refais courir un petit peu dessus, mais je ne prends pas la même méthode. Pas trop loin. Je fronce un petit peu, mais à peine. partie, je coupe. Et voilà le résultat. Donc pas trop mal jusque là. Par contre, comme toujours, de toute façon moi j'ai toujours ce souci là, le début est pas très joli. Alors est-ce que je vais pas venir donner un petit coup de fer en rentrant un petit peu cette partie là, parce que vous voyez ça fait quelque chose qui est, que je trouve pas très régulier quoi. Alors en fait moi je suis en train de me rendre compte que j'ai des ambitions qui sont pas du tout à la hauteur de ce que je me donne la peine de faire, c'est à dire que je fais tout à l'arrache, mais par contre j'aimerais bien que ce soit super beau à la fin. Voilà, c'est un peu moi ça. Selon le même principe, vous allez maintenant venir coudre l'autre côté. Alors, j'ai fini de coudre le haut, on voit l'envers du travail. Je prends l'envers du travail aussi ici, et la première chose que je fais, c'est de venir vérifier. Bon, ben là, je suis pas installée là où il faut, mais on vient vérifier que si on met l'ouvrage du bas entre les deux marqueurs du haut, et bien que ça ira. Ensuite, là, pour cette partie-là, obligatoirement, il va falloir épingler. Donc, là, je le fais pour 200 blancs. Je vais venir me mettre comme ceci. Donc, je ne sais pas si on voit bien, parce que c'est un peu le bins. Donc, bord à bord, endroit contre endroit. Voilà. Et on vient poser des épingles. Alors, sans venir... Donc sans tirer d'un côté, sans tirer de l'autre, et en laissant, si possible, en essayant de... Cette tranche-là, là, elle sera peut-être difficilement visible, alors que celle-ci le sera peut-être plus facilement. Donc on l'épingle un petit peu, en essayant, voilà. Alors de laisser la tranche visible plus ou moins, ce qui va se passer, c'est que quand je vais coudre, j'enlèverai les épingles au fur et à mesure. Voilà, donc le principe c'est de faire ça, et puis de venir évidemment jusqu'au repère suivant. Donc on se retrouve avec un truc comme ça, là, à coudre. Alors la première chose que je veux vous montrer, j'enlève l'épingle. De toute façon j'ai mis les épingles un peu... les mailles de la partie jersey et de la partie basse sont très visibles. Et elles sont a priori de taille plus petite que... Là, sur la tranche, j'ai même carrément du mal à le voir. On voit quasiment plus les petits V sur la tranche. Alors, j'essaye d'en sortir un, mais vous voyez, c'est pas évident. Et ils font pas la même taille. Ça veut dire que je vais pas pouvoir me fier au nombre de mailles, 2 pas d'un côté et puis en face 2 pas de l'autre, parce que je vais avoir un décalage. Donc, ça se fera en centimètres. J'avance d'1,5 cm et je reviens de la moitié de la distance. Voilà. Et j'enlèverai les épingles au fur et à mesure. Parce que sinon, il est évident. Donc déjà au moment où je mets les épingles, je vérifie bien quand j'ai terminé qu'il n'y a pas un endroit qui tire et puis l'autre qui est un petit peu trop lâche, parce que ça n'ira pas. Ensuite, au moment où je fais la couture, je ne tire pas trop sur mon fil. Je ne peux pas me fier au nombre de V pour faire mes pas, au nombre de mailles. Je pourrais beaucoup plus difficilement faire un choix... un brin extérieur, 2 brins, là je crois que je vais faire comme je peux, donc de ce côté ça sera les 2 brins, et celui-là sans doute encore, je sais plus où est passé mon aiguille, elle est là, celui-là sans doute encore le brin extérieur, pour une raison très simple, c'est que comme il tourne, en gros je pense que je vais voir que celui-là, alors qu'ici je vois assez bien les deux, donc je vais garder le même principe, les 2 brins ensemble ici, comme ceci, hop, et en face juste le brin extérieur. Et ben voilà, j'ai terminé la couture en point arrière du haut et du bas. Donc le bas des manches se fera aussi au point arrière, mais à la fin. D'abord, on va assembler les côtés. Donc avec le fil perdu, on va venir faire cette fois-ci une couture invisible. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est, puis après j'essaierai de faire quelques gros plans pour que vous compreniez le principe. Alors pour la couture invisible, vous avez besoin de vous souvenir qu'une maille c'est un V. Donc il y a des V un petit peu partout. Et entre 2 mailles, si vous écartez un peu, vous trouverez un barreau. Il y a aussi des barreaux dans les mailles, dans les V. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui est avant ou après un V, c'est-à-dire entre 2 V. Ce qui est un barreau sur une maille à l'endroit sera un petit pont sur une maille en verre. Alors ça c'est intéressant parce que le bas on a tricoté en côte et qu'il est possible que vous ayez fini votre rang par des mailles en verre. Donc c'est ça qu'on viendra chercher. Regardez, si je tourne, c'est une maille en droit de l'autre côté et on voit bien que le petit pont c'est le petit barreau de l'autre côté. On va venir faire une couture invisible, donc bord à bord, à une maille du bord, c'est à dire que la maille lisière, c'est la première maille qui est au bord, elle est relativement moche, plutôt retournée. Celle-là, on la verra pas, c'est celle qui sera à l'intérieur de l'ouvrage. Et on va venir chercher le petit pont, le barreau ou le petit pont selon le cas, qui se trouve juste après les mailles lisières, ici et ici. Et on va venir comme ça faire la couture invisible en reliant un côté et l'autre, en passant l'aiguille à coudre sous les barreaux qui sont juste avant la maille lisière ou juste après. Donc voilà le devant et le dos, et je suis côté donc endroit visible. Je me sers du fil perdu que j'avais gardé pour venir faire la couture. Alors la première chose que je vais faire bien sûr, c'est de venir relier les deux parties. Donc je trouve la boucle du bord, a priori pas toujours facile à trouver parce que les premières mailles sont jamais très jolies. Voilà. Et alors je resserre pas complètement, je tire pas complètement. Maintenant je viens sur un bord, voilà ma petite maille lisière, j'écarte un peu et je vais chercher un petit barreau d'un côté. Je tire pas complètement sur mon fil. De l'autre côté, je suis sur les mailles en verre, donc je prends le petit premier pont que je trouve. Voilà. Alors l'objectif, c'est de garder toujours le même rythme, c'est-à-dire un barreau d'un côté, un barreau de l'autre. Mais je peux parfaitement prendre un, deux barreaux d'un côté. Et dans ce cas-là, je vais prendre deux barreaux, ou plus exactement deux petits ponts de l'autre. L'autre chose aussi, c'est que pour l'instant je fais une couture à une maille du bord, c'est ce qui se fait de façon classique. Cela étant, si par hasard vous trouviez que votre ouvrage est trop large, c'est à dire que vous l'avez pas encore essayé mais vous l'avez mis à plat, vous avez donné un petit coup de vapeur et vous vous rendez compte que l'ouvrage est trop large, et bien rien ne vous empêche de venir faire la couture à deux mailles du bord. Donc là je vais passer le cap des mailles en verre pour passer à celui des mailles en droit, et puis je vous montre à deux mailles du bord ce que ça peut donner. Donc au lieu de venir ici, je peux venir ici, et pareil de l'autre côté. Au lieu de venir juste à une maille du bord, je peux venir à deux mailles du bord, et ça me fait gagner presque un demi-centimètre ici, presque un demi-centimètre de ce côté, sur les autres côtés que j'aurai assemblés aussi, donc je peux gagner un centimètre et demi de largeur, ce qui dans certains cas peut être intéressant. La seule chose, bon là je vais rester à une maille du bord, hein, puisque moi c'est comme ça que j'ai décidé, la seule chose c'est que vous aurez donc à l'intérieur un bourrelet qui sera plus épais, mais en dehors de ça, ça poserait pas de problème. Alors j'ai fait quelques centimètres, je vais venir tenir fermement le bout et tirer sur le fil. Je tire sur le fil et je viens même froncer le travail et ensuite je le détends. Et voilà, la couture n'est absolument plus visible, d'où son nom de couture invisible. Alors après quand on reprend, c'est toujours un petit peu plus dur de se repérer. Maille lisière, juste après. Moi je prends deux barreaux parce que, ben, commence à me connaître, c'est que j'aime bien que ça aille vite, donc voilà. Ah, il y aurait un nœud. Il y aurait un nœud quelque part. Ah oui. Un sacré nœud même. Bon, je règle. Ah si, c'est bon. J'allais dire je règle ça et je reviens, mais ça a l'air d'aller. Et je continue comme ça, et je vais aller jusque donc sous l'aisselle, au niveau des bas de manche. Bon là décidément mon fil a décidé de m'embêter. Alors ça c'est sans doute aussi parce que j'ai laissé un petit peu trop de fil perdu. mais j'en laisse beaucoup, notamment parce que j'aime pas faire des raccords de fil, parce que plus je fais de raccords de fil, plus j'aurai de fil à rentrer après, et c'est pas vraiment ce que je veux faire. Alors, j'aurais donné un petit coup de vapeur aussi, ça aurait pas été plus mal. Maintenant que j'ai découvert le fer à repasser, je vais mettre... je vais passer le fer sur tout ce que je trouve. Non, non, certainement pas. Je déteste repasser, je trouve que c'est du temps perdu. Et je trouve ça aussi surtout que c'est souvent la même personne qui s'en occupe et c'est un truc qui ne me convient pas. Donc, moi j'ai fait une croix dessus il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc là j'ai fait encore quelques centimètres. Je tiens fermement là où je m'étais arrêtée. Je tire. Et je viens froncer. Alors je viens froncer pour une raison très simple. Parce que quand j'ai tiré, je pourrais avoir l'impression que la couture est devenue invisible. Et puis quand j'écarte, je m'aperçois qu'il y a encore le fil en zigzag. Surtout si vous cousez 7 ou 8 cm avant de tirer sur le fil. Faites bien attention, froncez bien. Parce que vous pourriez laisser des zigzags qui n'auraient pas été tirés. Et puis alors après, à rattraper, c'est un petit peu la galère. Donc il vaut mieux froncer son travail. Bon voilà, je fais ça sur ce côté, je fais ça de l'autre. Après, il va me rester les dessous de manche à faire, mais cette fois-ci en point arrière, comme tout à l'heure, donc selon le même principe. Et puis après, je vais vite aller l'essayer, parce que très franchement, vu la galère que ça a été avec tous mes essais infructueux, je suis assez curieuse de savoir si ça va aller. Alors juste une petite chose, parce que je papote, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai sûrement fait un petit décalage, c'est-à-dire que j'ai avancé plus vite de ce côté que de celui-ci. Alors, il faut savoir que votre fil ne sera jamais exactement perpendiculaire à votre ouvrage. Par définition, on a toujours une maille d'avance d'un côté, donc il est légèrement oblique. Mais là, ça me semble un peu trop. Donc là, j'ai pris 2 barreaux, et ce que je peux essayer de faire, je vais prendre 2 barreaux de ce côté aussi, c'est ne prendre du coup qu'un seul barreau de l'autre, au moins une fois ou deux. Donc un seul ici, histoire de rattraper ce petit décalage. Je reste sur 2 barreaux de ce côté, et je vais refaire encore une fois un seul barreau de l'autre. J'ai mon ouvrage qui est en train de se casser la binette là, donc du coup j'essaye de... c'est un petit peu acrobatique. Voilà, je pense que j'ai à peu près récupéré le décalage. Je tiens, je tire, et là vous voyez on pourrait avoir l'impression que j'ai tiré assez, ici j'écarte, pas du tout. Donc je tire, et en plus l'intérêt de froncer c'est que lorsque vous avez un fil fragile, moi ça m'est déjà arrivé avec de la laine méchée, votre fil lâche si vous tirez trop, plutôt que de trop tirer, venez froncer, mettez-le correctement, et voilà, miracle. Bon, et ben voilà, il est carrément super tard, mais ça y est, j'ai fini de tout coudre. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il me va. Il tombe pile poil. Le haut est souple sans être trop mou. Le liseré, ben, c'est pas mal. Ça accentue un petit peu la coupure des deux parties, mais c'est pas mal du tout. Au niveau de la largeur, je m'en sors bien, bien que j'ai fait 4 mailles de moins. Et alors, on pourrait se dire que ce que vous avez appris sur moi, cette fois-ci, c'est que j'ai parfois tendance à foncer billet en tête et puis faire ce que je veux et à pas suivre les explications. Alors on peut voir les choses comme ça. Et puis moi je me dis autre chose pour me rassurer, je me dis que ça m'a permis d'apprendre quand même à anticiper, enfin dorénavant je pourrais anticiper les différences de densité pour un même fil. Ça a posé des problèmes techniques. Et du coup ça me fait penser que quand je ferai des ouvrages avec des fils différents et qui ont des, une texture radicalement différente, je pense par exemple à un fil élastane que j'utiliserai pour une partie de l'ouvrage et puis un fil laine de pays pour l'autre partie. Il y a une différence de texture qui est évidente et ça me permettra d'anticiper les problèmes techniques que je risque de rencontrer. Donc finalement, j'ai recommencé plusieurs fois l'ouvrage, j'en ai fait 3 dont 2 que je ne pourrais pas mettre, c'est quand même pas chouette quoi. Mais d'un autre côté, je me dis que je vous fais profiter de mes erreurs et que finalement je profiterai aussi des miennes. Voilà, mais en fait la vraie question, c'est de savoir ce que vous avez appris sur vous. Vaste question. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto tricot.